Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des nouveautés du site Shopeuse. Donc je vous ai déjà parlé précédemment. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien par ici et en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc allez voir si vous voulez voir ma première vidéo. Donc là, c'est ma vidéo number 2. Je vais vous reparler un peu du site Shopeuse, de ce qu'on peut retrouver, des nouveautés et il y aura une petite surprise à la fin. Enfin, surprise, je crois pas parce qu'il y aura écrit dans dans le titre. Mais bon, voilà, petit giveaway à la fin. Je vous aguiche avec tous ces produits, mais à la fin, il y aura des gagnantes, car il y en aura plusieurs. Donc ne vous inquiétez pas, je vous donne pas envie pour rien. Donc, le site Shopeuse, c'est le site de la youtubeuse Mode Superficielle, pour celles qui connaissent. Pour celles qui ne connaissent pas, il faut vraiment aller voir sa chaîne. Donc c'est vrai qu'elle a mis un peu en suspens, parce qu'elle a créé donc ce site-là. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Elle a bossé dur, la petite, elle a bossé dur. Et je suis contente que ça marche pour elle, parce que franchement, c'est trop génial. Mais allez voir quand même sa chaîne et abonnez-vous, car je sais qu'elle va reprendre. Et franchement, ses vidéos, mais moi, je surkiffe. Et pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez, car ça fait longtemps que je parle d'elle. Et vraiment, ses vidéos, c'est trop de la balle. Donc, allez vous abonner. Donc, sur ce site, actuellement, vous pouvez retrouver donc, la marque Yankee Candle, donc les bougies parfumées. Je pense que vous connaissez parce que je crois que voilà, si tu es sur YouTube, tu dois connaître quand même. C'est la base de la base. Et donc tu retrouves les Yankee Candle. Petit scoop, c'est un petit scoop, je crois que je peux le dire parce qu'elle l'a un peu dit aussi, je crois que sur Instagram. Il va y avoir des nouveautés, c'est-à-dire qu'elle ne va plus vendre que des Yankee Candle, il y aura de la déco. Je ne dis ça et je ne dis rien de plus. Il y aura de la décoration, des trucs magnifiques. J'ai vu un peu en avant-première. Mon cœur il a fait voilà, mon rouge à lèvres, ça déjà c'est intelligent, je m'étouffe aussi, je meurs. Franchement, un site à mettre dans vos favoris. Moi je sais que je mets tous les sites que j'aime bien, je les enregistre comme ça dans un onglet où j'ai tous mes sites favoris. Et bien celui-là il faut vous le mettre parce qu'il est génial, topissime, il va se développer un truc de ouf. Donc là je vais vous parler de la nouvelle collection qui vient de sortir. Donc il y a eu la collection de Noël, là maintenant il y a une nouvelle collection, c'est Noël, c'est fini, c'est du passé. Donc là il y a une bougie, au cas où vous vous demandez, c'est la caramel au beurre salé, magnifique cette bougie, elle sent super bon. Donc c'est une bougie qui sent fort, mais moi j'adore. Donc je vais parler de la nouvelle collection et puis je vais un peu vous expliquer ce que vous pouvez trouver aussi également en accessoires et un peu raconter ma life. Donc les Yankee Candle, donc vous trouvez des bougies sur plusieurs formats, vous avez les votives, les tartes, des petites jarres, des moyennes jarres et des grandes jarres. En gros c'est ça, donc vous avez vraiment plusieurs formats, plusieurs prix, donc c'est vraiment pour tous les budgets. Pour ça c'est assez cool. C'est vrai que Yankee Candle c'est la réputation d'être cher. Attendez, je me mouche là parce que j'ai un décolleté de ouf. Ça a la réputation d'être cher, mais vous pouvez vraiment trouver un format plus adapté à votre budget. Et pourtant vous ne serez pas délaissé non plus, quoi. Il y a vraiment pour tous les budgets. Donc pour vous donner une idée, par exemple, voilà, vous avez les votifs comme ça. Vous voyez, donc ça vous permet de tester un peu les odeurs qu'il y a pour après vous acheter une grande jarre si jamais vous avez apprécié. Vous avez les tartes, donc celle-là elle est cassée parce que enfin elle n'est pas cassée, je suis en train de brûler une partie là, je l'ai déjà utilisée quoi en gros. Vous avez les tartes comme ça, donc que vous mettez dans un brûleur à tartelettes, donc une tarte comme ça. Donc j'ai pas tous les formats. Après vous avez des petites jarres et vous avez des moyennes jarres comme ceci. Ça c'est une moyenne jarre, quand même immense comme ceci, et vous avez encore des grandes jarres. Je crois que les grandes jarres elles font deux fois les moyennes, je crois, donc quelque chose comme ça. Et vous avez les super grandes jarres. Donc moi ce que je vous propose, enfin ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en premier lieu tester les odeurs, parce que vous avez 1000 odeurs et c'est voilà, les odeurs je peux pas vous dire ça sent bon, ça, enfin si je peux vous dire, mais chacun ses goûts quoi. Donc si jamais il y a des odeurs, vous n'êtes pas... Enfin, il y a des odeurs, on sait qu'on va aimer. Moi, si je vois des trucs cookies, cupcake, je sais que je vais aimer. Si je vois coconut, je sais que je vais aimer. Enfin, il y a des odeurs, on sait qu'on va aimer. S'il y a des odeurs, on a du mal à se représenter la chose. Vous pouvez prendre soit des votifs comme ça, soit des tartelettes. Si jamais vous appréciez la chose, ce que vous faites, c'est que vous prenez après en moyenne jarre ou en grande jarre si vous surkiffez, quoi. Donc, moi, généralement, je prends les moyennes jarres tout le temps. J'aime bien ce format là et pour les odeurs que je kiffe, surkiffe vraiment, là je vais prendre les grandes jarres parce que c'est très économique. Donc voilà en gros. Donc au niveau des odeurs, vous avez un peu de tout, vous avez
du fruité, vous avez du sucré, vous avez de la bouffe, vous avez du fleuri, vous avez vraiment toutes sortes d'odeurs. Bon, il y a vraiment, vraiment, vraiment pour tous les goûts. Je gare avec mes vœux. Mes vœux, ouais, je suis chance. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, vous pouvez pas vous tromper. En plus, sur le site de Maud, donc, elle met la description. Donc, c'est une description, je trouve, très, bah, très proche de la réalité. Après, c'est sûr que les odeurs, les décrire, enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, la nouvelle collection, vous avez des odeurs. Je trouve que c'est des odeurs parfaites pour ce début d'année. Donc, je vais vous parler de celle-là. Donc là, vous avez la Under the Palms. Donc, sous le palmier, quand on traduit. Donc, je suis con parce que j'ai pas mon ordinateur et. Enfin, j'ai prêté mon ordinateur et j'avais pas la description. Fallait la tuer, con. Je vous mettrai la description ici. Donc, en fait, c'est coconut. Ça sent un peu la noix de coco. Zarma apporte coconut en anglais. Donc, c'est la noix de coco, donc avec de fleurs de palmier. Enfin, de palmier, des plantes de palmier. En fait, ça n'a pas une odeur de verdure ou quoi. C'est. Je ne pas trop. Enfin, c'est une odeur magnifique que j'adore parce que c'est pas non plus l'été. Donc, les odeurs noix de coco, enfin, passer des odeurs d'hiver aux odeurs d'été, ça fait un choc trop brutal. Donc, là, c'est vraiment très léger. Quand je vous dis noix de coco, vous pouvez penser directement, ouais, c'est une odeur forte ou quoi. Alors que c'est une odeur vraiment très légère. Et c'est vraiment, voilà, une odeur de plante mélangée un peu à la noix de coco. Enfin, moi, c'est comme ça. Après, peut-être qu'il trouve, il n'y a même pas de noix de coco, je dis n'importe quoi, mais. Moi, c'est comme ça, quand je sens comme ça, c'est ça qui me vient à l'esprit, quoi. De toute façon, je vous mettrai la description, comme je dis en bas. En tout cas, ça sent super bon. Ça, je vous la conseille parce que c'est vraiment une super odeur pour cette saison, pour le début d'année. Et aussi pour si vous voulez une odeur discrète. Si vous voulez pas quelque chose de trop fort, vous voulez une odeur douce mais qui sente bon. Franchement, celui-là, je vous recommande, mais vraiment. Elle est vraiment géniale. Pourtant, c'est vrai que quand j'ai. Je pensais pas ça être, je pensais pas l'aimer autant, en fait. J'avais du mal un peu à me représenter la chose. Mais finalement, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super. Ouais, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Under the Palms, sous le palmier. La deuxième que j'ai, donc c'est une odeur un peu plus forte, mais qui reste quand même légère quand on la brûle. C'est la Midnight Oasis. Donc déjà, regardez-moi ça. Regardez ce packaging. Violet avec les cocotiers, le coucher de soleil. Pff, voilà quoi. Magnifique. Le rêve. J'adore. Donc elle sent méga bon. Elle sent super bon. Donc là, je ne peux pas vous dire ça sans quoi. Je vais vous mettre la description ici, en bas. Ça a une odeur un peu masculine. Mais c'est léger. C'est pas. Enfin, quand on la brûle, c'est vraiment très léger. C'est vraiment une odeur subtile. C'est pas. Voilà, ça ne nous entête pas. Et c'est masculin, mais je trouve en même temps c'est une superbe odeur pour la maison. Parce que je sais pas, je trouve que ça fait un peu convivial, un peu cocooning, quoi. Elle sent super bon, c'est ma préférée de toutes les odeurs que j'ai. C'est ma préférée en ce moment. La Midnight Oasis, d'ailleurs, je la brûle en tarte en ce moment. Voilà, j'ai celle-là, mais sinon j'aime bien brûler celle en tarte. Elle sent super bon. Et je l'ai brûlée celle-là aussi, comme vous pouvez le voir. Hein. Les deux, elles sont brûlées. Hein. Je les ai testées quand même pour pouvoir voir si j'aime bien ou pas. Et franchement, elles sont super bon. Je vous la recommande. Franchement, ces deux-là. Ces deux-là, là, c'est mes préférés. Under the Palm et Midnight Oasis. Franchement, je vous les recommande parce que c'est parfait pour la maison. Vraiment, parce que les odeurs. Par exemple, celle-là, la beurre au caramel au beurre salé. Je sais que moi, je la surkiffe, mais je sais que vraiment, ma mère, elle n'aime pas. Elle trouve que c'est trop fort, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, les odeurs de maison, c'est bien quand elles sont légères. Enfin, moi, c'est dans ma chambre, donc ça va. Moi, je m'en fous, je mets ce que je veux dans ma chambre. Mais hein, pour la salle à manger, enfin les pièces à vivre, c'est bien de mettre une odeur légère, subtile, accueillante, cocooning un peu. Et ceux-là sont parfaites pour ça. Franchement, je vous les recommande, mais vraiment, quoi. Donc ça, c'est mes préférés. Ensuite, donc j'ai des tartelettes. Donc vous avez donc la Midnight Oasis que j'ai aussi en tartelette, que je vous ai montré là. J'ai donc la Lovely Kiku. Kiku. Belle Kiku, c'est une fleur apparemment. Qui se présente comme ceci. Donc toujours la description en bas. Donc franchement, je pourrais pas vous décrire. C'est une odeur florale, mais en fait, les odeurs florales, vous avez, c'est toujours des odeurs florales, mais parfumées. Ouais, je sais, c'est un peu spécial comme ça dit comme ça, mais j'adore. Franchement, il n'y a pas une odeur que j'aime pas. Pourtant, moi, je suis pas trop.
odeur florale. Moi, je suis plutôt sucrée, gâteau, enfin, des odeurs un peu comme ça. C'est vrai que les florales, c'est pas trop mon truc. Mais là, bizarrement, bah, je les aime bien parce que c'est pas floral de mémé, quoi. C'est floral de bien, quoi. Donc ça, c'est... Ouais, je le sens, mais genre, je vous calcule, hop. Donc ça, c'est Pink Hibiscus, donc hibiscus rose. Il se présente comme ceci. Pareil, qui sent super bon. J'aime beaucoup celle-là aussi. Mais encore une fois, franchement, les odeurs, c'est un peu dur à décrire, quoi. Mais elles sentent super bon, celle-là. Ouais, ah, Pink Hibiscus, franchement, je vous recommande, hein. Ah, ça sent super bon. Ensuite, vous avez... Ensuite, vous avez la Champaca Blossom. J'adore le nom. Champaca Blossom, ça. C'est Champaca en fleurs, donc, en français. Elle sent super bon, celle-là. Oh là là. Je ne me rappelais pas d'avoir senti. Elle sent super bon. Donc, je vais, comme vous allez pouvoir, je ne les ai pas encore tous brûlés. Hein, je fais pas longtemps que je les ai. C'était aussi pour vous montrer un peu comment elles étaient. Donc, franchement, celle-là, ah, ça, je sens que j'ai beaucoup l'apprécié. Et je crois que ça, c'est Under the Palm. Ouais, Under the Palm, après, c'est les bougies que j'aime. Oh, j'adore l'odeur aussi. Donc, franchement, aussi Champaca Blossom, Pink Hibiscus, avec les deux autres premières que je viens de vous présenter, ouais, c'est celle que je préfère. Pink Hibiscus, Champaca Blossom, Under the Palms et Midnight Oasis. Alors, Midnight Oasis, voilà, si vous êtes marié ou quoi, ça va plaire aussi au mari, parce que c'est une odeur un peu masculine, donc il ne va pas se sentir rejeté. Donc voilà, toujours bien emballé. Donc vous trouvez aussi des bougies, mais aussi des accessoires. Donc vous avez de plusieurs sortes. Donc, enfin moi j'ai pas tout, mais je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai par exemple ça. C'est pas ça. C'est cette magnifique chose. Je sais pas comment ça va ressortir en caméra, mais je suis sûre que ça va pas ressortir comme ça en vrai, parce que il est trop magnifique. Je crois que c'est derrière le plus populaire. Donc comment ça se passe? En fait, un peu plus près. Voilà, donc de plus près, il se trouve comme ceci. Voilà. Donc noir et doré, mais magnifique. Il est encore plus magnifique allumé. Mais en caméra, ça apparemment, je pense pas que la chose va bien sortir. Donc en fait, à l'intérieur, vous mettez une bougie brûle-plat, je crois que ça s'appelle comme ça, ici. Donc ça va chauffer le dessus, au fait. Ça va chauffer et donc vous mettez la tarte et la tarte va fondre. Donc, et ça va diffuser l'odeur. En gros, voilà comment ça se passe. Vous en avez plusieurs sortes, de plusieurs couleurs, enfin vous avez de plusieurs couleurs, plusieurs ambiances, enfin plusieurs sortes de choses. Après vous prenez en fonction de votre style, votre goût, etc. Donc voilà, donc il y a quand même du choix, vous avez du coloré, du neutre si jamais vous préférez. Mais celui-là honnêtement il est magnifique et allumé. Donc le doré ressort bien mais c'est juste magnifique vraiment. Vous avez aussi ce type-là, donc ça c'est pour décorer donc les jars. Vous voyez, je vais vous montrer, je prends par exemple ma Midnight. La mets là-dedans et donc ça décore. Donc en fait là moi j'ai celui avec des cœurs, voyez, en ce moment c'est bientôt la Saint-Valentin en plus, donc même si j'ai pas de Valentin au moins j'ai des cœurs, donc voilà. Ouais, je crois que ça se voit mieux quand il y a la jarre. Donc vous mettez comme ça, voyez, quand ça brûle c'est comme ceci et ça fait super joli. Ouais, moi j'adore. Donc pareil, il y en a plusieurs sortes, après c'est à vous de voir en fonction de vos goûts, mais moi j'adore. Si vous êtes fanat de bougies, ben voilà, je sais que ces choses là on kiffe, hein, c'est toujours plus agréable, plus joli. Voilà. Moi, j'adore décorer un peu ma maison, enfin ma maison, ma chambre. Il y a un truc que j'ai pas, c'est aussi des... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Des Illumalides. Je crois que c'est Illumalides. Je crois que c'est ça le nom. Et en fait, c'est des trucs que vous mettez... Vous voyez, vous enlevez donc le bouchon. Et en fait, c'est des trucs qui se mettent juste là. Juste là. Juste là. Et donc, quand c'est allumé, ça fait des petits motifs autour de vous. Enfin... C'est super beau, faut aller voir parce que je vous explique comme ça, mais voilà, c'est juste des petits trucs que vous mettez comme ça avec plusieurs motifs. Et donc allumé, ça fait des petits motifs autour de... Enfin, c'est assez joli, ça décore, ça donne une bonne ambiance. Donc son site, il est super bien fait. Franchement, il est très agréable. C'est facile de retrouver tout. Vous avez des bougies classées par odeur ou sinon vous avez des bougies classées par taille, c'est-à-dire par format. Donc soit tartelette, soit grande jarre, etc.
par nouveauté. Franchement, c'est super bien fait, c'est facile à se retrouver. Aussi, à savoir qu'en ce moment, bien évidemment, il y a les soldes. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, en ce moment, il y a les soldes et franchement, il y a des trucs super intéressants. Par exemple, vous avez des moyennes jarres, non, des grandes jarres au prix des moyennes jarres. Et ça, c'est super méga intéressant. Donc, allez voir, il y a les soldes en ce moment. Et en plus de ça, Maud m'a gentiment donné un code promo pour vous offrir les frais de port à partir de 35 euros d'achat. Donc, voilà, vous pouvez faire votre petite commande, vous avez les frais de port offerts. Moi, je trouve ça vraiment super. Les bougies, ça pèse lourd. Donc, forcément, voilà. Et là, vous avez gratuit. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Voilà. Faites un bon stock, c'est le moment ou jamais. Donc, profitez des soldes, faites un petit stock, regardez un peu les odeurs pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Pour celles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des bougies, je vous recommande plus les tartes que les votives. Les votives, ça sent, mais moins fort que les tartes. Les tartes, c'est vraiment comme les bougies, ça embaume vraiment bien la pièce. Voilà, ça vous dure longtemps. Après, si vous n'avez pas de brûleur à tarte, prenez-vous un brûleur comme ça, tartelette. Vous l'achetez une fois, mais bon, après, voilà, vous gardez à vie si vous y faites attention. Donc, voilà, c'est économique, c'est pas cher. Ça vous permet d'acheter plusieurs senteurs et donc, voilà, de vous faire plaisir. Donc, voilà. Donc, elle m'a passé un code, enfin, elle m'a passé un code promo donc, pour avoir les frais de port offerts des 35 euros d'achat. Le code promo, c'est Spring Fadela. Donc, Spring, c'est printemps en anglais. Spring Fadela, comme Fadela, tout simplement. Donc voilà, donc de toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, tous les liens, il y a tout qui est listé. Mon gilet commence à me faire chier. Passons maintenant à la partie qui va vous intéresser beaucoup. Donc là je vous ai dit que c'était super, que ça sent bon, que c'est génial, etc. Cette nouvelle collection, elle déchire. On a pensé à vous, bien évidemment. Donc il va y avoir un giveaway et un giveaway pour 4 personnes. Donc une bougie par gagnant tout simplement. Donc les bougies de la nouvelle collection, donc il y en a 4 et donc il y aura 4 gagnantes qui vont gagner leur bougie. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc participez, n'hésitez pas. Comme ça vous permettra de tester un peu les bougies Yankee Candle. Et ce sera un petit cadeau de Noël après Noël. Voilà. Donc moi je suis trop contente de pouvoir vous offrir ça. Parce que c'est vrai qu'on vous parle de produits, on vous parle de produits, ça peut donner envie. Et pouvoir donner, en faire gagner. Moi je trouve ça super sympa. Maud est très généreuse. Voilà. Elle m'en a offert pour 4 gagnants. Donc c'est vraiment génial. Merci ma Maud. Donc les conditions franchement sont hyper simples. Donc être abonné à ma chaîne, bien évidemment. C'est logique. Être abonné à la chaîne de Maud. Pour être honnête, elle ne me l'a pas demandé. Ça, c'est moi qui le mets, tout simplement parce que je trouve que c'est normal et que c'est une super youtubeuse. C'est pas comme si je vous disais de vous abonner à une chaîne merdique ou autre. C'est vraiment une super youtubeuse. Franchement, j'exagère, hein, peut-être. On peut penser que j'exagère, mais j'exagère pas, hein, je vous assure. Franchement, j'adore. Elle fait vraiment partie de mes youtubeuses préférées. Ça fait partie des conditions. Donc, être abonné à ma chaîne, être abonné à la chaîne de Maud et liker sa page Facebook, la page chopeuse. Donc le site de son le nom de son site, donc sa page Facebook, donc tout sera en lien d'info de toute façon. Et franchement, mettez-moi un commentaire sur la bougie, enfin la senteur qui vous semble le mieux. Enfin, pour celles qui connaissent, vous me dites votre senteur préféré. Comme ça, pour celles qui ne connaissent pas, pourront voir un peu les commentaires. Ouais, j'ai pas réfléchi à la question. J'ai l'inspiration comme ça. Donc en fait, vous mettez votre bougie préférée. Tout simplement. Pour celles qui ne connaissent pas, vous allez sur le site et vous me regardez un peu, vous me dites la bougie qui vous semblerait la mieux. Et pour celles qui connaissent votre bougie préférée, ça va donner un peu un indice à celles qui n'ont jamais testé. On va faire comme ça. Donc voilà. Donc le concours est ouvert à la France. Voilà, désolée, on ne peut pas le faire à l'international. Je suis vraiment désolée. Il y aura d'autres concours à l'international, ne vous inquiétez pas. Et il sera jusqu'au 31 janvier. Voilà, donc vous avez 2 semaines pour participer. Au niveau des commentaires, ça va être un commentaire par jour, par personne, pas plus. Un, ça suffit. Essayez pas de mettre 10 ou autre. De toute façon, je le vois de toute façon parce que ça se remarque et que ça va rien changer. Franchement, ça va rien changer dans la donne. Donc, un commentaire par jour jusqu'au 31 janvier, franchement, c'est suffisant. Franchement, respectez ça. Franchement, franchement et encore franchement. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai fait une vidéo d'une heure. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. J'espère que pour celles qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas ce site,
vous ai fait découvrir un super site. Et je dis pas ça parce que c'est ma copine, je vous assure. Moi, je suis sur Facebook et je vois les commentaires de ceux qui ont commandé. Et à chaque fois, voilà, je vois des commentaires positifs. J'ai reçu ma commande, super bien emballée, j'adore et tout ça. Enfin, il y a toujours de super commentaires. Donc, il n'y a pas que moi qui pense ça, vraiment. D'ailleurs, pour celles qui ont testé le site Shopeuse, vous pouvez partager votre expérience. Franchement, c'est un super site, c'est sérieux. Ça va vite, on reçoit super bien. Je vous ai montré l'emballage, c'est un emballage de ouf. Là, il faut vraiment que le facteur il ait joué au football avec le paquet pour qu'il y ait de la casse. C'est super bien emballé. Il y a toujours des petits papiers super mignons, dorés ou un peu baroque, noir et doré. Enfin, ça fait toujours plaisir de recevoir ça. C'est vraiment, franchement, animé du cœur et ça fait vraiment plaisir. Donc, allez voir le site, commandez, c'est les soldes, n'hésitez pas, profitez du code promo et surtout participez au giveaway. 4 gagnantes, 4 bougies, donc ça c'est vraiment super. Donc là, je vais m'arrêter ici. Donc, comme toujours, on se fait joli, on sourit, on profite de la vie parfumée. Voilà.